Pour la deuxième année, le relais des assistantes maternelles a organisé une bourse aux vêtements pour enfants. Après la salle communale de Kösslar l'an dernier, les vendeurs avaient monté leur stand à l'école de Ferrette. L'occasion de faire de bonnes affaires et de remplir les armoires de bébés à moindre coût. Cette bourse aux vêtements était également un moyen pour le relais des assistantes maternelles de se faire connaître auprès du public. Lieu d'information, de dialogue et d'échange, leur âme est rattachée à la communauté de communes du Jura alsacien. Basée rue du Rosberg à Ferrette, leur âme effectue des permanences les lundis, mardis, jeudi et vendredi, de 8h30 à midi. Les responsables de la structure en disent plus sur leurs actions au quotidien. Donc effectivement, au niveau du RAM, on a diverses activités, notamment hebdomadaires par des animations qu'on propose aux assistantes maternelles qui viennent avec les enfants qu'elles accueillent. Et donc, on propose toutes sortes d'activités, bricolage, psychomotricité, éveil au livre. Cette année, on a une nouveauté, les enfants ont la possibilité d'aller à la médiathèque de Valdighofen. Et on propose une animation sur place. Il y a également l'éveil musical où une intervenante vient chaque semaine pour proposer des activités d'éveil autour de la musique. Voilà. Sans oublier aussi l'accueil aux parents par rapport à leur recherche d'assistante maternelle agréée sur le territoire. Donc on les guide par rapport à la rédaction du contrat de travail, à la déclaration page, etc. Quoi, hein. Voilà. Il y a une partie administrative effectivement où on accompagne les parents et les assistantes maternelles pour que le métier se déroule, disons que pour valoriser le métier. Toujours est-il que le franc succès rencontré par la bourse aux vêtements va sans doute inciter les organisatrices à prévoir d'autres manifestations de ce type dans les mois à venir. Car il n'y avait qu'à voir le grand nombre de visiteurs pour comprendre que vendeurs et acheteurs ont sans doute réussi leur matinée.